Bonjour Côte du Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CEBA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en manchette. Résumé des affaires policières de la MRC de Lillet. Fin de semaine intense pour le club sportif Les Appalaches. Le programme Éco-Réussite fait ses preuves. Des activités à la hauteur des attentes. Mont-Carmel initie des jeunes à l'art culinaire et côté sport. Les athlètes de Magny Gym se démarquent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé cmatv, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Lillet en date du 29 janvier au 5 février 2016. Au cours de cette période, les policiers de la Sûreté du Québec ont dû intervenir lors des deux collisions avec dommages matériels. Heureusement, il n'y a eu aucune collision qui a causé de blessures au cours de cette période. Au cours de la semaine, les policiers ont ouvert divers dossiers. Tout d'abord, le mercredi 3 février dernier, les policiers ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue principale Sud à Sainte-Perpétue. L'occupant des lieux, un homme de 45 ans, devrait répondre à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants par voie de sommation. Son identité ne peut être diffusée en raison du fait qu'il n'a pas encore comparu devant le tribunal. Puis, le jeudi 4 février dernier, les policiers ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue Jacques Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli. Simon Dick Lacombe, 37 ans, a été arrêté et a comparu devant le tribunal au palais de justice de Montmagny pour faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. Il a été libéré sur engagement de respecter certaines conditions. La fin de semaine du 12 au 14 février sera intense pour les bénévoles du club sportif Les Appalaches. Dès vendredi, des membres seront présents à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli afin d'initier le public au ski de fond, classique et patin, et de valoriser ce sport dans la région. Les initiations se poursuivront le samedi, alors que les amateurs pourront également essayer le Fat Bike, un vélo avec des pneus très larges qui permettent de rouler sur la neige durcie. Dimanche aura lieu la seconde édition du défi Isabelle Dubé, en hommage à cet athlète de la région. Pour l'occasion, deux circuits seront proposés, soit un 25 km qui propose une montée au lac Trois-Saumons et un 50 km où il faut effectuer deux montées au lac. Si l'activité attire des athlètes de Québec qui y trouvent un défi à leur mesure, elle est ouverte à tous. Les inscriptions se feront sur place. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet du club au clubsportifappalaches.com. Bien que la neige soit en quantité limitée cette année, l'achalandage au club est très bon. Grâce au travail des bénévoles, plus de la moitié des pistes est ouverte depuis Noël. L'activité Fat Bike, possible sur le sentier multifonctionnel, et les pistes de raquettes attirent aussi un nouveau public. En mars, des sorties sont prévues à la Coupe du monde de ski à Québec et au Camp Mercier. Les soirées sont animées tous les vendredis soirs. Le restaurant offre un service très apprécié. Bref, le club est toujours le lieu de rencontre en hiver dans la région de Lillet. Il y a quelques années, le taux de réussite en français dans certains villages de la Côte-du-Sud laissait à désirer. Les dirigeants des écoles et de la commission scolaire se sont assis ensemble et ont, ont retroussé leurs manches afin de remédier à la situation. Le projet Éco-Réussite a donc vu le jour et est un franc succès jusqu'à présent.
Voici le reportage de Karel Houde-Hébert. Créé dans la région de Montmagny-l'Île-et en 2011, le programme Éco-Réussite donne des résultats impressionnants. Ce projet qui vise la réussite des jeunes de 0 à 8 ans a une recette très simple. Mettre des livres dans les mains des jeunes de 0 à 5 ans et les inviter à l'école afin que les élèves de première et deuxième année leur fassent la lecture. Le programme se base sur le fait qu'en plus de l'école, les parents et la communauté font partie intégrante de l'écosystème du jeune et doivent donc être mis à contribution dans son développement. En 2009, le taux de réussite en français des élèves de 4e année des écoles du territoire de Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, Sainte-Euphémie et Sainte-Apolline se chiffrait à environ 50 %. Depuis l'implantation du projet, le taux de réussite de l'ensemble des écoles primaires a atteint 98 %. C'est un miracle. C'est d'abord quatre villages. Quatre petits villages qui décident de se mettre ensemble pour favoriser la réussite des élèves par la lecture, l'écriture, puis le récit oral. Le plan d'action du projet est composé de 17 activités qui impliquent les enfants, les parents, l'entourage de l'enfant et les membres de la communauté. De ces activités, on retrouve entre autres une bibliomobile à domicile, offerte par le Centre d'alphabétisation l'ABC des Hauts-Plateaux. Toutes les deux semaines, une animatrice en lecture se déplace chez les familles avec des livres à prêter. Depuis sa création, le programme Éco-Réussite a remporté pas moins de 5 prix. Les directeurs d'école, les commissions scolaires et même le ministère de l'Éducation vantent le projet. Karel Houde-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. Les 29 et 30 janvier dernier, la ville de Saint-Pascal présentait une toute nouvelle programmation « Plaisir d'hiver ». Deux jours d'activité hivernale pour faire bouger les familles. Vendredi, les activités ont débuté par le patinage au flambeau à l'anneau de glace sur l'avenue Martin. Près de 150 citoyens ont profité de la douce soirée pour sortir leurs patins. Les collations gratuites ainsi que la présence des populaires mascottes Pasco et Pascotte en ont ravi plus d'un. La population était également invitée à découvrir, au Roulis Parc, les sculptures sur neige réalisées par le CPE Pitatou. La journée de samedi s'est quant à elle déroulée sur les terrains adjacents du centre sportif de Saint-Pascal. De 13h à 16h, près de 300 enfants, parents et grands-parents sont venus profiter de la multitude d'activités offertes gratuitement. Les tours de poney ont connu un succès monstre auprès des jeunes enfants, alors que les parents ont préféré se sucrer le bec grâce à la présence de l'érablière le mieux. La Maison des jeunes était également sur place pour animer le hockey et bon nombre de participants ont tenté de décrocher le titre de la plus longue distance d'Edlis. Une journée bien remplie où les plaisirs d'hiver étaient au rendez-vous. La ville de Saint-Pascal tient à remercier Filion Sport qui a généreusement offert, en prix de participation, 6 cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun. La municipalité remercie également tous les citoyens qui ont pris part aux activités ainsi que le comité organisateur. À la suite d'un partenariat entre le service de garde et la municipalité de Mont-Carmel, 15 jeunes Carmélois ont participé à 8 ateliers culinaires. Ces ateliers ont permis aux jeunes cuistots d'apprendre à réaliser des recettes simples et peu coûteuses, en plus de vivre une belle expérience intergénérationnelle. Les ateliers avaient lieu au centre municipal de Mont-Carmel après la fin de classe. Accompagnés par leur éducateur, M. Sébastien Laplante, les jeunes partaient de l'école pour venir cuisiner avec des bénévoles aînés et avec l'agente de développement et de loisirs. Ce projet avait pour objectif de permettre un transfert de connaissances entre les générations et de sensibiliser les jeunes au plaisir de cuisiner. Chaque jeune est reparti avec un cahier qui comprend toutes les recettes qu'ils ont cuisinées et même un peu plus. Produits laitiers, desserts, cuisine du monde et plusieurs autres thèmes ont été explorés durant ces 8 semaines d'activité. La municipalité de Mont-Carmel tient à remercier M. Éric Lavoie, directeur de l'École Notre-Dame de Mont-Carmel, M. Sébastien Laplante du service de garde Les Carmignons, la MRC de Kamouraska, Alimentation Ludo, la résidence des Bois-Francs et tous les bénévoles qui ont pris part à cette belle aventure. Dans quelques instants, les sports. Neige et vent sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et vent sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'aréna, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, les 30 et 31 janvier dernier avait lieu la deuxième compétition de la saison du circuit régional de gymnastique.
plus d'une quarantaine de gymnastes du club Magny Gym de Montmagny ont pris part à l'événement qui se tenait au club Actigym de Pont-Rouge. Les jeunes gymnastes magnimontoises ont de quoi être fiers de leurs performances et des résultats qu'elles ont obtenus, alors qu'elles sont reparties avec pas moins de 42 médailles. Sans oublier les rubans de 15 autres gymnastes qui se sont classés entre la 4e et la 8e position. Voici donc un résumé des performances les plus marquantes dans la catégorie CR3 Argo. Estelle Laliberté, l'or au saut, l'argent au bar et une première position au total. Juliane Deschênes, l'or au saut, l'argent au bar et une 4e position au total. Clémentine Brousseau, le bronze au sol et une 2e position au total. Kiane Gaudreau, le bronze au saut et à la poutre. Prudence Lemieux, l'or à la poutre. Tania Lessard, le bronze au saut. Annabelle Caron, l'or à la poutre. Jasmine Blais-Robin, l'argent au bar. Dans la catégorie CR3 Tiro, Claudie Morin, l'or au bar et à la poutre et une 3e position au total. Jessica Dubé, l'argent au saut et à la poutre et le bronze au bar. Florence B. Lemelin, l'argent au saut. Jade Lapointe, l'argent au bar. Dans la catégorie CR3 avancée Tiro, Ariane Côté, l'or au saut et le bronze au sol. Kelly Pouliot, le bronze au saut. Dans la catégorie CR3 avancée novice, Megan Boissonneau, l'argent au saut. Dans la catégorie CR3 avancée senior, Catherine Coulombe, l'or au trampoline, l'argent au bar, le bronze à la poutre et une 2e position au total. Sandrine Tachereau, l'or au sol et l'argent au saut. Dans la catégorie CR3 spécialiste novice, Megan Eppel, l'or au trampoline et au sol, l'argent à la poutre et une 1e position au total. Zoé Gendron, l'or au bar, l'argent au sol, oui, et une 2e position au total. Rose Morissette, l'or au saut et le bronze au sol, et Catherine Thériault, le bronze au saut. Dans la catégorie CR3 spécialiste senior, Émilie Jacob, le bronze au bar. Donc, félicitations à tous ces récipiendaires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous rejoindre ou nous écrire à nouvelles@commercialcmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font. On va y arriver, hein? Comme 5000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMATV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, l'état des routes et des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un, cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fini l'attente. Le Lavauto Libre Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lavauto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lavauto Libre Service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. CMATV.ca.
L'État des routes, une présentation du garage Mainville, dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Donc, l'état des routes, c'est quand même très beau. Si on regarde la route qui mène vers Saint-Gervais-Saint-Lazare de Bellechasse, c'est dégagé, la visibilité est excellente. La route qui mène de l'autoroute 20 vers Saint-Raphaël, c'est dégagé, mais de Saint-Raphaël en direction de Saint-Philémon, ça peut être enneigé et glissant par endroits, mais la visibilité est très bonne. La route qui mène de Montmagny vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmigny, c'est dégagé, la visibilité est excellente, mais de Saint-Paul vers Saint-Fabien, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. La route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroits, mais la visibilité est bonne. La route qui mène maintenant vers l'autoroute 20, vers Tourville, Sainte-Perpétue, c'est dégagé, mais de Sainte-Perpétue à Saint-Pamphile, c'est parfois enneigé et ça peut être glissant. Les routes secondaires au sud de notre comté peuvent être enneigées, parfois glissantes, mais la visibilité est bonne. L'autoroute 20 de Lévis à Saint-Vallier, ça peut être enneigé, mais de Saint-Vallier en direction de la Pocatière-Rivière-du-Loup, c'est dégagé, la visibilité est excellente. C'est à peu près le même scénario pour la route 132, c'est enneigé de Lévis vers Saint-Vallier et dégagé de Saint-Vallier vers la Pocatière et Rivière-du-Loup, et la visibilité est très bonne. Cependant, on nous prévoit des précipitations aujourd'hui, tout près de 5 cm avec des vents. Ça pourrait causer de la poudrerie et changer considérablement l'état des routes. Donc, si vous devez prendre le volant aujourd'hui, peut-être vérifier avant de quitter. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est du temps nuageux avec des averses de neige. Aujourd'hui, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, du temps nuageux, des flocons, on parle de près de 1 cm. C'est pas bien important. Tout au cours de la journée, ça peut ressembler de 3 à 5 cm. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on aura des vents direction nord-est à 20 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 31 km/h au cours de la journée. Les vents diminueront d'intensité en soirée à 10 km/h, toujours direction nord-est. On parle d'un minimum de moins 8. Il y aura encore quelques flocons pour ce soir. Même chose pour la nuit prochaine, moins 11 comme minimum et les vents qui demeurent à 5 km/h, donc on peut dire des vents faibles. Demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm, rien de bien important, et des vents faibles avec un maximum de moins 5 degrés. Mais regardez les températures froides pour les prochains jours. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités à Saint-Jean-Port-Joli ce week-end. Eh bien, on va être servi si on voulait avoir du temps froid. Du temps nuageux avec quelques averses de neige pour jeudi. On parle d'un maximum de moins 10. Vendredi, ciel variable, moins 15 comme maximum. On pourrait ressentir jusqu'à moins 22 parce que les vents souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Samedi, ciel variable, on nous prévoit un maximum. Tenez-vous bien, attachez votre tuque avec de la broche. Moins 17 comme maximum. On pourrait ressentir jusqu'à moins 25 comme maximum parce que les vents souffleront en direction nord à 15 km/h. À peu près le même scénario, un petit peu plus doux, si on peut dire, pour dimanche sous un ciel variable avec un maximum de moins 12 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 20 parce que les vents souffleront direction sud-ouest à 20 km/h. Donc, c'est très froid. On n'a pas à se plaindre, je pense, avec les températures qu'on a connues tout au cours de la saison. Mais là, il faut dire qu'on est vraiment sous les valeurs de saison. Lundi, ciel variable avec un maximum de moins 9 degrés. Et ça s'adoucit parce qu'on nous prévoit du temps nuageux et quelques flocons. Pour mardi prochain, moins 2 degrés, mais les vents qui seront très présents pour mardi prochain avec 35 km/h direction sud-ouest. Voilà pour les prévisions de la météo. Donc, du temps doux jusqu'à demain mercredi, mais après ça, ça se refroidit considérablement et les températures seront vraiment sous les valeurs de saison. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444.
Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. C'est mon mari surtout, là, il fait longtemps qu'il voulait s'en venir ici, lui. Parce qu'il finit pas, il était malade. Fait que, il dit, oui, allez, on n'a pas le choix, on est rendu là. Puis c'est l'ambiance. Parler au monde, puis moi, c'est une femme qui aime beaucoup parler avec les autres. Tu sais, être seul, ça marche pas. Faut que j'aille du monde, puis je me mêle aux autres, autrement dit. Les pichenottes. OK. Puis là, j'ai vu un jeu de poche à quelque part, là. On se met à jouer aux poches, là. Ça n'aurait pas été content, ça fait longtemps qu'on aurait été à quelque part ailleurs. Ouais. Pourquoi aller ailleurs quand on est bien à quelque part? Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 en argent, dont 10 prix de 1 000 et un prix de 2 500. Le tirage aura lieu à l'École Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Taché. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. cmatv.ca. Alors voilà, ben nous vous présentons maintenant notre chronique sur les ressources humaines. Chronique toujours bien intéressante avec Jean-François Pelletier de GFP Management. Jean-François Pelletier, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, en forme? Oui, toujours. Il fait beau dehors. Oui, puis il fait tellement beau. Fait exactement, c'est ça. Oui, il faut profiter de la chaleur qu'on a. Là, c'est frais un peu, parce que j'ai l'impression, mais on se conserve. Ouais. Moi, je te dirais, peut-être qu'en fin de semaine, on va appeler ça plutôt fret. Fret? Ouais. Oui. Ça n'existe pas, mais on va l'inventer pour la fin de semaine. C'est l'hiver. Oui. Exactement. Ah, puis Jean-François, on n'a pas cette année, là, on a été chanceux. On n'y a pas goûté. El Niño a fait des siennes. Alors, une semaine dans l'hiver, je pense qu'il faudra tout simplement s'habiller chaudement. Ouais. Mais là, c'est parce que ce sont les fêtes de Saint-Jean-Port-Joli, les fêtes d'hiver en fin de semaine. Mais il y a toujours fait froid aux fêtes d'hiver. C'est une fête de neige, de glace, donc il faut qu'il fasse froid. Mais je suis allé, moi, l'an passé, effectivement, le dimanche après-midi, là, c'était pas froid. C'était frais. C'était mordant. En plus, on est sur le bord du fleuve. Hein, oui, on ressent très bien le vent. Oui. OK. Jean-François, on parle aujourd'hui de description de poste. Oui, description d'emploi, description de poste. Est-ce que c'est important, la description de poste? C'est probablement le premier outil nécessaire quand on fait du management, on parle de ressources humaines. OK. Qu'est-ce qu'on appelle description de poste ou description d'emploi? Description d'emploi, premièrement, c'est on va se créer un outil, un document qui va faire, qui va répertorier toutes les tâches qu'un employé doit faire. Je dis un employé parce qu'il faut qu'on crée un poste. Dans ton entreprise, t'as différents postes, puis à partir de là, il y a différentes tâches à réaliser. L'objectif de la description d'emploi, la description de poste, c'est justement de faire en sorte qu'on n'ait pas de tâches qui se retrouvent entre deux. C'est-à-dire, il arrive un client, qui va le rencontrer? Ah, c'est pas moi, c'est pas marqué dans mon poste. Ah non, c'est pas à moi parce que moi, j'ai pas à faire telle chose. Donc, la description de poste, c'est vraiment l'outil qui va informer l'employé de la panoplie de tâches qu'il a à réaliser en tant que tel. OK. Est-ce que ça peut être changé ou... Idéalement, je dirais que dans une bonne organisation du travail, un poste, c'est statique. C'est une catégorie d'emploi, c'est un poste qui va faire en sorte qu'on va être capable de bâtir l'organisation de notre travail. Est-ce que ça peut être changé? Ça serait quoi les raisons qui amèneraient à changer un poste? Si tu me dis changement technologique, il y a des nouveaux outils à utiliser, il y a une nouvelle procédure de travail, je te dirais oui, probablement qu'il va falloir adapter notre nouvelle tâche avec les nouvelles obligations. Maintenant, si tu me dis j'ai un employé qui n'est pas capable de faire telle tâche ou telle tâche, on va adapter sa description de poste, sa description d'emploi par rapport à l'employé, là je te dirais je mets un bémol. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adapter ton entreprise à un individu. Si l'outil qui est la description de poste est inadéquat, c'est-à-dire qu'il est irréaliste pour un employé, là, regarde, on s'est trompé, on va l'adapter, oui, ça je suis d'accord. Mais c'est parce qu'un employé n'a pas les connaissances, les compétences pour être capable de faire le poste, je te dirais, on va le former, on va prendre les moyens pour qu'il soit capable de le faire, on va plutôt prendre la tendance d'améliorer l'individu pour être capable de le mettre au poste
que de modifier le poste par rapport à l'individu. Qu'est-ce qu'on doit retrouver exactement dans une définition de poste? La première chose à retrouver, je te dirais, c'est l'objectif du poste. Qu'est-ce que l'employé va faire? Sous la supervision de l'employé devra ou le titulaire devra réaliser telle tâche. On va y aller vraiment de façon générale parce que cet outil-là, l'employé devra l'avoir quand il va commencer à travailler chez nous. Donc, quand cet employé-là va prendre possession de son poste, bien, il devra prendre possession aussi de la tâche qui vient avec. Donc, un texte général qui va vraiment expliquer qu'est-ce qu'est le poste en tant que tel. Ce texte général-là aussi va être utile quand on va faire un appel d'offres, c'est-à-dire quand on va faire une offre d'emploi dans le journal. Donc, on va être capable de récupérer ou de recycler ce texte-là pour être capable d'informer les futurs candidats aux besoins de notre entreprise. Sous la supervision de l'employé devra faire telle tâche. Après ça, on va y aller de façon plus exhaustive sur l'ensemble des tâches. Qu'est-ce que l'employé devra faire? Si on prend une personne, mettons une adjointe administrative qui a affaire de la réception, qui a affaire de la comptabilité, qui a affaire du classement, bien, on va séparer les blocs. Donc, tout ce qui s'appelle service à la clientèle, ça représente quoi au niveau des tâches à faire? Au niveau de la comptabilité, on va avoir une section volet administration. Donc, qu'est-ce que cet employé-là devra faire? Est-ce qu'elle fait la tenue de livre? Est-ce qu'elle fait les fins de mois? Est-ce qu'elle va avoir à faire... est-ce qu'elle va être en relation avec le comptable à la fin de l'année pour être capable de fermer les années? Donc, c'est là qu'on va venir vraiment mettre l'ensemble des tâches pour être capable de bien informer. Il reste que cette tâche-là, comme je te disais tout à l'heure, l'employé va l'avoir en main puis va être en mesure de bien planifier justement sa semaine, son mois, son année par rapport à l'ensemble, l'entièreté de la tâche qu'il a à faire en tant que telle. Même principe pour les autres tâches de classement ou n'importe quoi. Donc, on va vraiment venir faire des secteurs dans cette description d'emploi-là pour être capable de bien informer notre employé des tâches qu'il a à faire. Les exigences, qu'est-ce que ça prend comme connaissances, qu'est-ce que ça prend comme compétences, la formation et tout ça, certaines conditions de travail, ce qu'on s'attend de l'employé. Donc, je parle de compétences. De plus en plus, on va parler ou on va intégrer des éléments de compétences dans nos descriptions d'emploi. Qu'est-ce que tu entends par éléments de compétences? Je te donne un exemple. Donc, avoir une facilité à communiquer avec les gens. Donc, ça, c'est une compétence. Okay. Être capable de comment je peux dire, donc, en administration, de faire la tenue de livre, c'est une compétence. On va avoir une formation en administration, mais il faut qu'on soit en mesure de bien être capable de développer les compétences sur un logiciel. On parle de Simple Comptable, de Acamba. Donc, avoir la compétence d'utiliser Simple Comptable ou Acamba. Donc, c'est des compétences, c'est des éléments, c'est des façons de faire que l'employé va avoir, va posséder en tant que tel. La compétence de faire quelque chose. Est-ce que ça peut servir pour l'évaluation de l'employé? Définitivement. Donc, à partir du moment où l'employé, on a rencontré notre employé, tu te souviens quand, durant les chroniques, je te parlais d'évaluation de formation, d'équité? Bon, tout ça est basé sur la description de tâche en tant que telle. Une fois que notre employé a été engagé, que sa période de probation a été faite, bien, la description de tâche devient un élément aussi incontournable pour l'évaluation de notre employé. Quand tu parles de période de probation, je vais t'en venir là-dessus. C'est quoi une période de probation? Ça dure combien de temps, là, par rapport à l'ouverture de poste, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an. Comment ça fonctionne dans les entreprises? Il n'y a pas de temps dédicté au niveau de... Est-ce que c'est obligatoire, oui? La période de probation, non, c'est pas... T'as pas de... Comme je te dis, il n'y a pas une loi qui oblige un employeur à fixer une période de temps pour une période de probation. Je dirais que dans bon nombre d'entreprises, on va engager... Puis on va laisser aller après ça. Donc, le superviseur va s'en occuper, puis l'employé va rentrer parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. C'est une erreur. La période de probation, c'est un moment où on va se donner, avec l'employé, être capable d'évaluer ses capacités. Est-ce qu'il est capable de faire la job? Est-ce qu'il répond aux exigences du poste? Exactement. Tu te souviens tantôt, je te disais, si tu dois adapter ton emploi ou ton poste par rapport à un employé, on s'en va pas dans une bonne direction, dans le sens où tu vas être obligé d'engager quelqu'un d'autre pour faire la portion de tâche que cet employé-là ne sera pas capable de faire. Donc, dans une période de probation, on va venir évaluer, justement, si cet employé-là a le potentiel de faire l'entièreté de la tâche, puis on va être en mesure aussi d'évaluer si cet employé-là a la totalité des connaissances pour être capable de faire le poste. S'il ne les a pas, c'est là qu'on est capable de prendre la décision, on va le garder, parce qu'il y a un potentiel de bâtir avec cet employé-là, puis on va lui donner la formation. Donc, on va s'obliger à se donner un plan d'action sur cet employé-là pour être capable d'améliorer sa connaissance, sa compétence, ou on va carrément dire, non, cet employé-là ne cadre pas dans la tâche qu'on a à lui donner en tant que tel. Tu me demandais, il y a combien de temps? Comment on fixe de temps en soi? Là, à ce niveau-là, il y a
comment je veux dire, les normes du travail vont fixer une période au niveau des indemnités des délais de départ. Donc, quand tu fixes une période de probation à moins de 3 mois, donc de 0 à 2 mois et 29 jours, tu peux dire à un employé, regarde, la tâche ne te convient pas, on va mettre fin immédiatement à ton emploi en tant que tel, puis ça va se terminer là. C'est légal, il n'y a aucun problème parce que tu es en deçà de 3 mois. À partir de 3 mois, tu es obligé de donner une semaine de préavis à ton employé. Donc, si ton employé est à ton service en période de probation pour 3 mois et plus, tu dois lui dire, suite à ton évaluation, nous ne continuerons pas notre association ensemble, donc ton emploi va prendre fin dans une semaine. Donc, c'est là le principe de probation de 3 mois. On entend souvent parler, peut-être à tort, que bien, chez nous, la période de probation, c'est 3 mois. Bien, entre autres choses, c'est pour être capable d'éviter justement les délais, là, les délais d'indemnité. Des normes du travail. Exactement, des normes du travail. Mais il n'y a absolument rien qui fixe. C'est là que je m'en vais tantôt, Jean-François, c'est que c'est régi. Par les normes du travail, mais ce n'est pas une probation qui est régie. C'est pas le terme de probation qui est régi. C'est vraiment le terme de durée d'emploi continue. Moins de 3 mois, tu n'as pas de période de t'as pas de délai à donner pour une fin d'emploi. 3 mois et plus, tu as une semaine. 1 an et plus, tu as 2 semaines, et ainsi de suite, là, selon les normes du travail. OK. Mais si, justement, l'employé ne respecte pas ses définitions de tâche par rapport au poste, oui. C'est là que ça devient problématique. C'est là que les normes du travail, parce que c'était là ma question. Les normes du travail régissent, il y a des lois qui régissent l'employeur. Mais si l'employé, et de là l'importance d'une description de poste, parce que il faut démontrer, prouver que la description n'est pas respectée. On n'a pas de raison à donner nécessairement. Je te dirais, en soi, en période de probation, tu peux dire à un employé, regarde, selon ce qu'on a vu, selon l'évaluation que les supérieurs ont fait, tu ne cadres pas dans l'emploi. Puis ça se termine là. T'as pas de raison juste et suffisante. Le principe de raison juste et suffisante au niveau des normes du travail arrive à la 2e année. Donc, je travaille pour toi depuis plus de 2 ans. Tu veux me congédier parce que pour X, Y raisons qui sont confuses, et je pourrais revenir, je pourrais faire déposer une plainte au nom du travail pour congédiement abusif sans cause juste et suffisante. Parce que tu dois me donner quand même des raisons justes et suffisantes après 2 ans. Si j'ai été capable de travailler pour toi pendant 2 ans, tu n'as aucun dossier d'employé ou tu n'as aucune note disciplinaire ou aucune note à mon dossier, tu ne peux pas me congédier comme ça. Donc, les normes du travail, c'est là qu'ils vont venir. Pallier aux ailes de certains employeurs de congédier quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il n'est plus, à saveur du jour, donc on va carrément s'en départir. Il faut être en mesure de donner une raison juste et suffisante. Encore là, on revient sur des chroniques qu'on a eues dans les derniers mois, le dossier de l'employé. Donc, un bon dossier d'employé va permettre justement d'être capable de suivre notre employé durant son évolution dans notre entreprise, durant sa progression, mais peut-être aussi durant sa diminution ou quand il commence à péricliter là, au niveau du travail qu'il réalise. Donc, si on n'est pas en mesure de prouver hors de tout doute que cet employé-là, oui, a donné une bonne partie de son temps ou une bonne partie de sa vie efficace chez nous, puis qu'à partir d'un point X, il a commencé à diminuer par manque de connaissances, par manque de compétences, par manque de rendement, par manque de volonté. Si ça n'a pas été annoté, bien, on va avoir énormément de difficultés à dire à un employé, bien, regarde, pour notre entreprise, tu t'es rendu une charge. Tu ne donnes plus le rendement que tu devais donner. Donc, il faut qu'on soit en mesure de le prouver en tant que tel. Ça, c'est le dossier de l'employé qui va nous permettre d'archiver, si on veut, ces commentaires-là. Donc, si on résume, la description de poste, c'est très important, justement pour toutes les raisons que tu viens de citer. Exactement, c'est ça. On se base sur la description de poste pour être en mesure de bien évaluer notre personnel sur les tâches que nous avons à faire. C'est la première chose, c'est la première étape. Oui. On ouvre un poste, on donne une description de poste, on passe des entrevues. On passe des entrevues. Après ça, on engage. Et on doit dire à l'employé voici ce que tu as de tâches à effectuer au cours de la journée. Pour un employé qui travaille un poste de journalier, on revient sur la période de probation, cette période-là peut être très, très courte parce que notre employé va être très à l'aise très rapidement dans son cadre de travail.
Donc, la période de probation peut être de quelques mois, là, de quelques semaines à quelques mois. Mais pour un poste en administration, une personne qui va gérer nos livres, qui va faire nos comptes, qui va travailler en administration ou dans un poste qui est beaucoup plus stratégique, où il y aura des, beaucoup de connaissances à acquérir avant de performer, bien là, la période de probation, tu vas comprendre que si on donne juste une période de probation de 3 mois, bien, on risque de perdre des technicalités de notre employé. Donc, on ne sera pas capable d'évaluer cet employé-là à sa juste valeur. Donc, une période de probation pourrait être de 6 mois, de 1 an. Mais avant toute chose, il faut que l'employé soit au courant. Donc, il va avoir des évaluations, il va avoir des suivis, être capable de faire ces suivis-là pour être capable de permettre à l'employé de s'améliorer, de s'amender quand il a fait des erreurs, des choses comme ça. Donc, l'outil qui est la description d'emploi devient la pierre angulaire de tout bon développement entrepreneurial ou un managerial dans une entreprise. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-François Pelletier de GFP Management. Vous avez besoin de bons conseils? C'est l'homme, 241-6083, 241-6083 dans le 88, naturellement, GFP Management. Jean-François Pelletier, merci beaucoup. Merci. On se retrouve le mois prochain. Oui. Voilà, merci. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue, le beau temps est encore là pour les, au moins les prochaines 48 ans. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, c'est le 9 février 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 9 février. Mais d'abord, les jubilaires du 7, hier, j'ai fait une petite erreur et je la corrige immédiatement. C'est le 7 février, c'était la fête à Ève David, donc j'ai mal prononcé le prénom et je m'en excuse. Ève David, c'est de la part de sa mamie qui a eu 30 ans dimanche. Alors, Ève est dans la boîte de tirage pour ce certificat cadeau de 25 $. Vous allez comprendre que des fois, bien, c'est une boîte vocale. Alors, on n'entend pas toujours bien, on s'en excuse. Alors, on corrige, vous nous appelez, puis on fait la correction, tout simplement. Et ça nous fait plaisir de le faire. Gênez-vous pas. Le 9 février, aujourd'hui, c'est la fête. On veut souhaiter un joyeux 88e de naissance à Madeleine Caron, d'une ex-voisine, Monique Poirier. Donc, bon anniversaire. 88 ans, c'est votre année chanceuse, Mme Caron. Alors, bon anniversaire aujourd'hui. C'est la fête à Denise Gariepi de Cap-Rouge. C'est de ton amie Louise qui te souhaite une belle journée. Vous savez que ces gens-là peuvent nous écouter par Internet sur cmatv.ca parce que cette émission est en reprise sur le site Internet de notre réseau de télévision. Donc, Denise qui pourra entendre ses vœux de fête par son amie Louise qui lui souhaite de passer une belle journée. Le 9 février, c'est la fête à Walter Lynch de la résidence du Manoir Saint-Louis. Bon anniversaire, Walter Lynch.
On va sûrement vous souhaiter de façon spéciale bonne fête aujourd'hui. Alors, les résidents du manoir Saint-Louis à Montmagny sur la rue Saint-Jean-Baptiste de la famille Soucy. Alors, bravo et bonne fête, M. Lynch. C'est la fête aujourd'hui, le 9 février, à Marie-Pierre Lemieux. Elle a 20 ans, c'est de la part de sa grand-mère Claire, donc bon anniversaire. Marie-Pierre Lemieux, 20 ans aujourd'hui. C'est la fête à Françoise Fortin. Elle est de Cap-Saint-Ignace de la part de sa cousine Janine de Montmagny. Bon anniversaire, Françoise Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est la fête aujourd'hui à Émilie Montmini de Saint-Michel. C'est de la part de ses grands-parents, donc aucun lien de parenté. Mais quand même, il y a la fête à Émilie Montmini de Saint-Michel. Et c'est la fête aujourd'hui à Gaétan Lavoie. C'est votre épouse Suzanne qui a pensé à vous ce matin. Donc, bon anniversaire, Gaétan Lavoie. Donc, beaucoup d'anniversaires ce matin. J'aime ça. Et gênez-vous pas, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Si vous êtes né comme tous ces gens un 9 février, vous êtes jumelé à Vladimir Guerrero chez les Expos de Montréal de 1996 à 2003. C'est la fête également à Chris Nyland, qui ne se souvient pas de ce défenseur chez le Canadien. Il a 58 ans aujourd'hui. Gérard Lenormand, dont vous avez entendu un succès, voici les clés, vendredi dernier. Il a 70 ans aujourd'hui. Et Mia Farrow, actrice américaine, a 71 ans. Et on se souvient du décès, le 9 février l'an passé, ça fait déjà un an. Claude Ruelle, 76 ans, ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Yvan Laroche, 67 ans, époux de Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic. On se souvient qu'il est décédé des suites d'un cancer, exactement à la même date, mais en 2015. Voilà pour les anniversaires de ce jour, de ce 9 février 2016. Vous regardez cematv.ca. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny, au 248-3583. Fini l'attente. Le Lavauto Libre Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lavauto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lavauto Libre Service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. cematv.ca. Voilà, vous nous entendez maintenant. Donc, c'est du direct, hein? Alors, faut vivre avec les causes que ça donne de faire du direct. Voilà. Bon, vous nous entendez bien. C'est beau. OK. Il y a les grands titres de l'actualité ce matin, mais on parle des publicités qui font jaser. C'est qu'à Québec, il y a des enseignes qui sont apparues et qu'on dit à Québec, toutes les radios ont le même discours. À Québec, il n'y a que des radios poubelles. Donc, c'est ce qu'on peut lire maintenant sur des enseignes à Québec. Mais on ne sait pas qui paie, parce que ça prend quand même des gens qui ont de l'argent pour payer et mettre cette publicité sur des enseignes à Québec. Et là, on mettrait le dos sur les nouveaux propriétaires de l'ancienne station qui nous a appartenu, le 101, qui s'appelle Boulevard maintenant et qui appartient au Biscuit Leclerc, mais c'est ce qu'on dit dans le journal, c'est pas moi qui le dis. Alors, c'est une histoire à suivre parce qu'il y a quelqu'un qui paye ça et là, c'est sûr qu'on va découvrir qui paye les frais de cette publicité. Mais je vous dirais que toutes les stations de radio sont pas, les propriétaires sont pas tellement contents, les animateurs non plus, et chacun fait son petit commentaire par rapport à ces publicités qu'on retrouve sur les enseignes, mais on sait pas qui est l'instigateur qui paye parce que ça prend quelqu'un qui paye pour mettre ses publicités. Donc, ça pourrait être un concurrent, mais on essaie de l'identifier, mais il n'y a rien de confirmé et rien ne prouve que ça peut être ces gens qu'on dit peut-être que ça pourrait être les propriétaires de la station 102.1, mais rien n'est confirmé, donc on cherche à savoir qui est le coupable
c'est coupable, on peut dire, parce que c'est moi, j'appelle, je dirais que c'est une bonne guerre. C'est la radio des produits Leclerc, ben, c'est de la radio musicale, le 102.1 et le 91.9. Ce sont deux stations musicales, alors que la plupart des stations maintenant, à part le 102.9, c'est FOM et Rouge FM, 107.5. Les autres stations de radio sont des stations de ce qu'on appelle des radios parlées, des talk radio. Alors, on dit que... Moi, je suis pas d'accord à dire que ce sont des radios poubelles. Ce sont des stations de radio qui émettent leurs commentaires. Parfois, ça peut dépasser un peu la réalité, ou des fois, on peut peut-être aller loin un peu. Mais quand même, des radios d'opinion, je pense qu'on en a besoin. On en a peut-être trop à Québec, peut-être... Mais quand même, de là à dire que ce sont des radios poubelles, je ne suis pas d'accord. Et aussi, ben, le fait qu'on puisse... c'est de la bonne compétition qu'on dise qu'il y a également de la radio musicale à Québec. Je pense que c'est de bonne guerre. Donc, à suivre, parce qu'on trouvera bien qui vraiment paye pour ces publicités. C'est juste drôle, c'est cocasse. Voilà. Mais ça fait jaser nos animateurs de Radio Parler. Fin de carrière pour la voleuse sexy. Ben oui, Stéphanie Beaudoin ira en prison. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui est mannequin maintenant et qu'on a surnommée la voleuse sexy? Ben, ne pourra plus gagner d'argent en exploitant ses démêlés judiciaires pendant ses 30 mois de probation. Le juge Bruno Langelier admet que cette mesure peut contrevenir à la liberté d'expression, mais il estime que cela facilitera la réhabilitation de la femme de 22 ans. Cette jeune femme qui s'amusait à dérober la criminelle dont l'image a fait le tour du monde a eu l'air soulagée d'entendre la sentence hier, mais ne s'est pas adressée aux médias. Quelques heures auparavant, elle s'était excusée sur sa page Facebook. Un jour à la fois, donc, Stéphanie Beaudoin avait plaidé coupable en décembre 2014 à 46 chefs d'accusation, dont 39 pour des introductions par infraction commises dans le coin de Victoriaville, au centre du Québec, à l'été 2014. Donc, 90 jours de prison pour cette jeune fille. Elle aura probablement un dossier aussi, alors elle aura moins de facilité à exercer son métier, mais je pense qu'elle méritait une petite punition. Voilà. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary, 12 500 en argent, dont 10 prix de 1 000 et un prix de 2 500. Le tirage aura lieu à l'École Caso le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Taché. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. GFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. GFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, les prévisions de la météo, c'est du temps nuageux avec quelques flocons. On nous prévoit un maximum de moins 7 degrés avec des vents qui souffleront direction nord-est à 20 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 31 km/h. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons, moins 8. La nuit prochaine, ce sera froid, moins 11. On nous prévoit encore quelques flocons de neige. On parle de moins de 1 cm, des vents faibles. Demain, mercredi, du temps nuageux avec quelques flocons, moins 5 degrés, avec près de 1 cm, donc rien de bien important, et des vents qui demeureront faibles. Jeudi, c'est le temps froid qui commence pour à peu près 5 jours. Moins 10 comme maximum, on pourrait ressentir jusqu'à moins 15, j'ai bien dit maximum, avec des vents qui souffleront direction sud-ouest à 20 km/h. Moins 15 sous un ciel variable vendredi, avec des températures qui pourraient rejoindre jusqu'à moins 22 avec le facteur éolien, parce que les vents souffleront quand même en direction sud-ouest à 25 km/h. C'est le même scénario pour samedi, du temps très froid, avec un maximum de moins 17, on pourrait ressentir jusqu'à moins 25 degrés.
Ça demeure très froid pour dimanche, sous un ciel variable avec un maximum de moins 12. Les vents qui demeurent toujours bien présents. Lundi, ciel variable moins 9 et ça s'adoucit pour mardi parce qu'on aura quelques flocons de neige. On parle de près de 1 cm, maximum de moins 2 degrés. Des vents qui seront très présents de direction sud-ouest à 35 km/h. Donc, des températures encore douces jusqu'à demain. Et à partir de jeudi, ça se refroidit considérablement. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 418-248-4444. C'était étudié déjà depuis longtemps. Je voulais me trouver une belle place. On a de l'accordéon tous les après-midis. Je joue un peu de piano presque tous les jours. Je me dis toujours quand tu es au restaurant. On descend en bas, on se fait servir pour déjeuner, on remonte, on redescend à dîner, on descend à souper. Ça passe très, très vite. Non? On voit pas nos journées. Franchement, là, je me gêne pas à dire à mes parents, mes amis puis les enfants aussi là, que c'est le meilleur choix que je pouvais pas faire. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et, en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on vous a parlé de la Loto Rotary. Eh bien, pour les 5 prochains jours, j'aurai un billet à attribuer. Alors, tous les jours, je vous invite à nous écouter. Naturellement, bien là, cette émission est présentée en direct. Alors, 241-1313, poste 229. Là, c'est ouvert à tout le monde. Et on va essayer de donner la chance à tout le monde. Naturellement, vous n'avez qu'une seule chance. Alors, il faudra donner la chance à tout le monde. 241-1313, poste 229, pour gagner un billet pour la Loto Rotary, vous allez voir à l'antenne, eh bien, c'est 12 500 $ en argent. C'est 10 prix de 1 000 et un prix de 2 500 $. Donc, ce tirage aura lieu le 19 février prochain lors d'un 6 à 9 animé. Donc, 2-4-1-13-13, les lignes sont déjà engagées, mais il faut passer par la boîte vocale, je vous le dis, il faut être patient. Pour le rejoindre, il faut passer par la réception et la boîte vocale de la réception, mais c'est comme ça. Donc, on aura tous les jours un billet à attribuer. Alors, il y a plusieurs chances de gagner. Et quand même, ce sont des beaux prix. C'est 10 prix de 1 000 et un prix de 2 500 $. Donc, l'auto Rotary. En attendant, mon ami Marc-Antoine, en attendant justement que les lignes se dégagent, on va vous parler de l'Écho d'en haut, ce journal qui est la fierté des gens de Saint-Pamphile. Vous savez que maintenant, on est diffusé sur le câble à Saint-Pamphile depuis quand même un bon bout de temps. Les gens de Saint-Pamphile, vous avez maintenant votre journal et je vous incite à le lire parce qu'il est toujours très intéressant. Il est publié depuis la semaine dernière. Donc, l'Écho d'en haut de Saint-Pamphile, dont on est partenaire et on salue tous les gens qui contribuent au succès de ce journal. Alors, il y a toujours des sujets intéressants. Je vous invite à le consulter. C'est votre journal local, donc le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Alors, on attend toujours que les lignes se débloquent pour qu'on puisse prendre un appel. Bon, voilà, ça... Oui, bonjour. Bonjour, j'appelle pour le concours. Bon, ben, quel est votre nom, madame? Monique Pelletier. Bon, vous êtes de Montmagny, Monique? Oui. OK. Alors, on prend votre nom. On va prendre votre numéro de téléphone en circuit fermé. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Oui. Et, tous les matins. Pardon? Oui, je vous écoute tous les matins. Bon, vous aimez ça? Oui. Oui, OK. Je sais que vous êtes une fidèle auditrice, mais on est content. Alors, Mme Pelletier, on va prendre votre numéro de téléphone en circuit fermé. Et la semaine prochaine, on va vous inviter à venir chercher. D'ici, on va donner les directives à cet effet-là pour qu'on puisse vous remettre votre coupon de participation qui officialise que vous êtes maintenant propriétaire d'un billet pour ce tirage qui aura lieu le 19 février. Moi, je vous encourage parce que
J'ai un de mes frères, moi, qui s'était déjà suicidé, c'est pour ça. Bon. Bien, madame, je pense qu'il faut penser ces gens-là. Et vous êtes maintenant l'heureuse gagnante de ce billet de la Loto Rotary. Merci, madame Pelletier. Gardez la ligne. Merci. Alors, Marc-Antoine, on va prendre les coordonnées de Mme Pelletier pour le numéro de téléphone. Et ça va être comme ça pour tous les jours de la semaine. Donc, on vous invite à être des nôtres. C'est une collaboration du Club Rotary de Montmagny. Je vous invite à y participer en grand nombre. Et vendredi prochain, le 19 février, il y aura un 6 à 9 animé. Ça se déroule à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et à cette occasion, on procédera au tirage des gagnants de cette Loto Rotary édition 2016. L'écho d'en haut, ben, on vous présente ces images, donc les grands titres de l'actualité. Geneviève et Maude créent des imparfaits. C'est en page 5 de ce journal qui a été distribué la semaine dernière. Des outils et des pièces en cuir repoussé. Qui est l'artisan derrière ces beaux objets? Donc, c'est un public reportage, c'est à ne pas manquer. Le concours de panache, toujours aussi populaire. L'atmosphère était à la fête au 62e souper des rois. Tout ça ben, et bien d'autres sujets dans ce journal L'écho d'en haut qui a été distribué le 3 février dernier. À vous, gens de Saint-Pamphile, mais aussi aux gens des environs de votre belle région. Donc, L'écho d'en haut, journal communautaire à lire et à ne pas manquer à tous les mois qui est distribué. Et aussi, bien, on en fait la nomenclature à chaque mois des grands titres de ce journal. Voilà. On annonçait hier, M. Trudeau annonçait que c'est fini les frappes à compter du 22 février. Il n'y aura plus de frappes aériennes, mais on va investir beaucoup d'argent avec des soldats, des militaires qui se rendront sur place et on va essayer d'aider les gens qui sont en détresse dans ces pays, qui sont touchés par les attaques terroristes de l'État islamique. Donc, Trudeau, qui en même temps est toujours très populaire, il a gagné avec 39 % des voix en octobre 2015, mais aujourd'hui, il a 49 % de la faveur populaire. Donc, il est toujours aussi populaire, M. Trudeau. Si des élections avaient eu lieu aujourd'hui, il aurait remporté les élections avec 49 %, c'est 10 points de plus qu'en octobre 2015. Et le Parti conservateur a glissé à 27 %. Il était à 32 % en octobre 2015. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, si des élections avaient lieu aujourd'hui, il aurait 15 % de la faveur populaire, alors qu'en octobre 2015, il avait 20 %. Le Bloc québécois récoltait 5 % en octobre 2015, il aurait 3 % aujourd'hui. On parle qu'on a peur de M. Trump, moi aussi. Alors, surveillez parce qu'il y aura aujourd'hui des élections dans le New Hampshire et c'est là que ça se... probablement qu'on sera et on sera orienté sur les élections présidentielles des États-Unis. Donc, à surveiller les élections dans le New Hampshire. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue, Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciales, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guilmire.